Bonjour Elena, on peut se tutoyer ? Salut, oui, bien sûr qu'on peut se tutoyer. Tu sais, je parle russe, espagnol et anglais en plus de français. Et dans ces cultures, c'est assez courant de se tutoyer, voilà. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé ? J'aime les deux. J'aime beaucoup expresso le matin et le thé pendant le goûter. Le dernier album de musique qui t'a marqué ? Alors là, ça va être Chaos and the Dancing Star de Marc Helmond. C'est un chanteur que j'ai découvert récemment, qui chante quelques chansons en russe aussi. Cet album, je l'ai choisi parce que le single que j'ai adoré, qui s'appelle Black Sunrise, il est bien dans cet album-là. C'est magnifique. Le dernier bouquin qui t'a plu ? Alors là, ça va être Sapiens, une brève histoire d'humanité de Yuval Noah Harari. En fait, c'est un bouquin qui raconte l'histoire de l'humanité, mais sous un angle assez particulier. Par exemple, bon voilà, qu'est-ce que c'est une religion ? Comment c'est apparu ? Quelle est la différence entre la religion et l'idéologie ? Pourquoi cultiver le blé, c'était plutôt une mauvaise idée, etc., etc. J'ai adoré ce livre aussi. Le dernier film qui t'a fait triper ? Ça va être Auprès de moi toujours avec Keira Knightley. C'est un film assez dramatique. C'est sur une histoire des personnes qui grandissent, qui ont leur vie, qui s'aiment tous. Et un jour, ils découvrent que ce sont en fait des clones qui ont été créés pour donner des organes aux êtres humains. C'est vraiment émotionnel, ce film. La gamme de liquide dont tu es la plus fière. Alors, ça va être la gamme Freshly, parce que bah, déjà, à part le fait, ce sont des très bonnes saveurs. Mais moi, tu sais, je travaille dans le marketing, donc c'est plus la création de ce côté-là. Nous, chez Bubble, on n'aime pas trop utiliser les boîtes pour des raisons écologiques, donc on a dû mettre tous nos efforts dans l'étiquette et le packaging, donc la fiole. Et vous allez voir, la gamme est plutôt réussie, c'est joli, c'est punch, c'est peps, voilà, j'en suis plutôt fière. Quel jus aurais-tu aimé créer ? Ce serait la framboise de chez Bubble. Mais zut, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est Guillaume. C'est notre tonton Guillaume, notre juice maker qui l'a créé. Donc voilà, bravo Guillaume. Seul, sur une île déserte, tu as trois jus. Lesquels ? Forcément, ça serait du Bubble, le Red, le Karma. Et ça serait cette fameuse framboise, certainement. Ton setup actuel, c'est quoi ? C'est Asmodeus Colossal avec un Elo 4. Bon, et vu que je suis une fille, je vais ajouter les bleus, voilà. Ce qui te plaît dans l'industrie de la vape. Bah, on sait tous que c'est le meilleur moyen pour arrêter de fumer. Il y a eu pas mal d'études qui l'ont prouvé. Ce qui me plaît aussi, c'est que ça permet d'arrêter de fumer sans trop souffrir, en se divertissant. Et puis j'aime beaucoup aussi l'univers du vapoteur, comme encore une fois je crée des liquides pour les vapoteurs, donc ça m'amuse. J'aime beaucoup cet univers-là. Parle-nous de ton actu en cours. Oula, ça, il faut que je vous parle du Bubble Mix. C'est un concept très particulier, c'est un concept qui permet de faire les mélanges en toute égalité. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui c'est très en vogue de demander les mélanges en boutique, mais c'est pas très recommandé de faire les mélanges en boutique. Pourquoi ? Parce que quand on mélange deux jus, chacun avec sa FDS et avec son étiquette, donc en les mélangeant, on crée un troisième produit qui n'existe pas formellement sur le marché. Il n'a ni fiche de sécurité, ni étiquette. Donc notre concept de Bubble Mix, il va permettre de créer une fiche de sécurité de ce troisième produit, de l'envoyer directement sur les mails de la boutique aux particuliers et de sortir une étiquette avec une imprimante thermique. Et avec nos 36 saveurs déjà, on peut arriver, on a fait des calculs, jusqu'à 44 millions de saveurs. Voilà, c'est pas mal ça, non ? Excellent ! Un petit scoop sur ce qui est à venir ? On va vous proposer une série de liquides de très 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 haut de gamme. Voilà, on espère bien que ça sera au salon du Vape Expo à Paris. Donc avec Bubble, on vous a déjà montré qu'on sait créer des excellents monarômes. On sait aussi créer des magnifiques complexes. Maintenant, on vise vraiment très haut. On va vous proposer une gamme de liquides juste exceptionnelle. La question à laquelle tu n'aurais jamais répondu. Je pense que ça aurait été une question que tu m'avais posée à un japonais. Personne ne me l'aurait jamais posée et je n'aurais jamais répondu à cette question-là, vu que je ne parle pas japonais. Elena, arigato. Arigato.